jeunesse de Côte d'Ivoire, nous vous saluons avec respect en ce jour mémorable au nom du mouvement Ça suffit. C'est avec une grande sérénité et une foi tenace que nous nous adressons à vous aujourd'hui. Depuis un certain nombre de jours, nous entendons ça et là des gens lever un débat qui, à notre sens, est dénué de toute logique. Le débat sur notre constitution, puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est un sujet très sensible qui touche à l'âme de notre nation. Aucune nation au monde n'acceptera que sa constitution soit foulée aux pieds. Pour être plus clair, nous entendons dire que son Excellence Monsieur Alassane Ouattara désire briguer un troisième mandat. Le président, au-delà de son appartenance politique, est le chef de la nation. Il est donc le garant de notre loi fondamentale. Ni les membres de son parti politique, ni les chefs coutumiers ne peuvent et ne doivent lui demander de se mettre au-dessus de cette loi. Nous sommes Ivoiriens. Nous sommes sur nos terres. Nous sommes pour le respect de notre constitution qui, nous osons croire, n'a aucunement été taillée sur mesure au risque de pousser le peuple à travers sa jeunesse à déferler dans les rues d'Abidjan et partout à l'intérieur du pays pour réclamer justice face à cette haute raison commise envers lui. Nous sommes pour la paix, mais pas à n'importe quel prix. Nous prenons à ce jour la communauté nationale et internationale à témoin. Chers jeunes, nous savons à quel point nous bouillonnons d'impatience de défendre avec la dernière énergie l'honneur de notre drapeau, de nos terres, de notre moi profond et de notre identité. Nous disons tous, avec l'ensemble des jeunes de la sous-région, que ça suffit. Constitution sur mesure, ça suffit. Enlèvement d'innocents, ça suffit. Emprisonnement à tort, ça suffit. Les Ivoiriens doivent s'unir ou périr. Soyons prêts, fiers Ivoiriens. Pour le front de la jeunesse du Rassemblement démocratique africain, section Côte d'Ivoire, en abrégé FJRDA 225. Mouvement, ça suffit. Porte-parole Hachi Hachi Michel.